son serviteur, le pasteur Marcelo Tounassi. Sous nos acclamations pour le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis ce matin. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie, la santé et la force qu'il nous accorde et le privilège qu'il nous donne d'apporter la parole de Dieu ce dimanche. Merci au pasteur Christian et maman Eliane pour votre hospitalité. Ça y est, bénie. Evelyne, sorry, Evelyne. Et ben, je suis venu avec une équipe, mais qui est en retard. Hier, ils étaient allés à Walibi, donc le temps qu'ils se réveillent. Et je bénis Dieu pour le travail qui se passe ici. Déjà, la salle est petite. Il faut faire 3 cultes. Vous le croyez? Amen. Comme je l'ai dit personnellement au pasteur, c'est un grand travail qui a été fait en une année. Je suis venu quand c'était un chantier. Et là, je trouve que tout est impeccable, tout est parfait. Vraiment, chapeau, que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que souvent j'oublie, beaucoup de gens me disent « Pasteur, on va voir ton livre ». Mes 2 livres sont disponibles sur www.marcelotounassibooks.com. Vous pouvez y aller, vous télécharger, vous imprimer gratuitement, mais il ne faut pas pirater. Amen. C'est-à-dire vous ne devez pas vendre. Et mon application aussi est disponible sur Google Play Store, Pasteur Marcelo Tounassi. Ainsi, vous pouvez avoir les vidéos et les prédications, même les chansons. Nous allons adorer le Seigneur avant d'écouter sa parole. Le thème de mon message ce matin, c'est les fruits qu'engendre la vie de Christ. Tu peux le dire à ton voisin de gauche. Celui de droite. Celui de devant. Celui de derrière. Celui qui te sourit, il y a toujours quelqu'un qui nous sourit. Amen. Amen. Oh, Rabashere Bababasa. Je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Adore-le, dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Que tu l'aimes. Que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes, que tu l'aimes, que tu l'aimes. Dis-lui que tu es là. Dis-lui que tu es là. De là, son nom. Couvrez mon visage, des cris sans fin sortaient de ma bouche, des péchés sans fond harcelaient mon âme, des larmes, son nom couvrait mon visage, des cris sans fin sortait de ma bouche, des péchés sans fond, scellaient mon âme.
tout. Enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi pour conduire mes pas, pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout, partout. Enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Pour conduire mes pas. J'ai besoin de toi. Jésus, oh, de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pour conduire mes pas. Pour conduire le Seigneur, afin qu'il dirige ta vie, qu'il te conduise sur le chemin de la justice, de la vérité, et que rien ni personne ne puisse t'en détourner. Ne t'éloigne pas de moi. Fortifie-moi quand je suis faible. Répands tes dons sur moi. Intensifie ton feu. Ne t'éloigne pas de moi. Fortifie-moi quand je suis faible. Répands tes dons sur moi.
sanctifie ton feu. Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Je veux ton feu, je veux ton feu. Embrasse ma vie, embrasse ma vie. Que tu n'as point planté, qu'il brûle en moi, c'est que tu n'as pas sémé, qu'il brûle en moi, c'est que tu n'as pas planté, qu'il brûle en moi, c'est que tu n'as pas planté. Qu'il brûle en moi, c'est que tu n'as pas sémé. Oh, qu'il brûle en moi, c'est que tu n'as pas planté. Qu'il brûle en moi, c'est que tu n'as pas sémé. Qu'il brûle en moi, c'est que tu n'as pas planté. Yes. Qu'il brûle en moi, c'est que tu n'as pas sémé. Ton feu, yeah. Qu'il brûle en moi, c'est que tu n'as pas planté. Ton feu, qu'il brûle en moi, c'est que tu n'as pas sémé. Qu'il brûle en moi, yeah. Qu'il brûle en moi, c'est que tu n'as pas planté. Qu'il brûle en moi, c'est que tu n'as pas. Qu'il brûle en moi, c'est que tu n'as pas semé. Qu'il brûle en moi, c'est que tu n'as pas planté. Qu'il brûle en moi, c'est que tu n'as pas planté. Qu'il brûle en moi, c'est que tu n'as pas semé. Qu'il brûle en moi, c'est que tu n'as pas semé. Embrase ma vie, embrase ma vie.
tu fais bien de l'acclamer. Alléluia. Tu fais bien de le désirer. Oh Père, bénis ta parole, bénis ton peuple. Fais-moi grâce d'être fidèle, de communiquer librement et puissamment ta parole, sans aucune opposition maléfique et démoniaque. J'ai ainsi prié. Au nom de Jésus. Oh yes. Levez les mains, s'il vous plaît. Doucement à la musique. Praise. Yes. Yes. Praise. Père, je prie que ce lieu soit saturé de ta présence. Je prie pour tout homme et pour toute femme présent ce lieu. Je demande qu'ils soient tous en contact avec ta présence. Je prie, Seigneur, que l'atmosphère soit remplie par toi. Guéris les malades alors que nous serons en train de prêcher. Libère les captifs. Brise les chaînes. Sauve les vies. Et révèle-toi à ceux qui sont perdus, égarés loin de toi. Regazunti ke regazinti regezagarabasha razia marabas. Praise. Remplis-nous de toi, Seigneur. Transforme nos vies. Transforme. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Oh, est-ce que ceux qui parlent en d'autres langues adorent en langue? Ceux qui parlent en français, adorent en français. Si tu parles en anglais, adore en anglais. Je sens sa gloire en ce lieu. Avant le message, il aimerait toucher un homme. Avant le message, il aimerait toucher une femme qui a tellement soif de lui, tellement soif de lui, tellement soif qui ne peut attendre le message, tellement soif qui ne peut attendre la fin du message, tellement soif comme Nicodème n'a pas attendu la fin du message de Pierre pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et il y a des Nicodèmes ce matin, des passionnés de Jésus, des passionnés de Dieu. Shuribabasi pridagasaya bashaya. Oh oui Dieu, tu connais cet homme, tu connais cette femme qui te désire ardemment. Je prie que tu touches sa vie de manière particulière. De manière particulière. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parle ton peuple, écoute. J'ai ainsi prié. Il s'occupe de toi particulièrement. Oublie ton voisin, ta voisine, tes préoccupations. Que tes pensées ne divaguent pas.
sois devant lui. Chérégezi kirogoza. Ruzi kirozi proza kete kirodeza. Rumuzi bruzin tirigozi proza kaya. Somo rose kerebamos. Choros. Remplis ce lieu de toi-même. 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 Remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Sature ce lieu. Yes. Yes. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. En lui, il n'y a ni ombre de variation ni de changement. Il est fidèle à sa parole et il a promis d'être là où deux ou trois s'assemblent en son nom. Au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je reçois déjà ce que tu me donnes avant le message. Je le reçois. Je le reçois. J'ai faim de toi. J'ai soif de toi. Et je reçois. Merci Père. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa présence parmi nous. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc 3, versets 8 à 9. Luc 3, 8 à 9, la Bible dit « Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé. » Et jeté au feu. Jean 15, verset 1 jusqu'au verset 5e. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Les fruits qu'engendre la vie de Christ, les résultantes de la présence de Christ dans nos vies.
Si la sémence de l'homme dans une femme peut la transformer, changer même son nez, ses pieds gonflent, elle commence à avoir faim tout le temps, elle crache, elle vomit, change même sa démarche, la présence de la sémence, d'une toute petite sémence de l'homme dans une femme est capable de la transformer radicalement. Si une toute petite graine peut déchirer la terre, si une toute petite graine peut même renverser un mur par l'arbre qui est produit par la grandeur des racines, si un petit microbe, un petit virus de rien du tout, dans un grand corps, est capable de paralyser ce corps, de tuer ce corps. Lorsqu'on étudie le virus du sida, il est tout petit, mais il est capable de tuer. La présence d'un virus dans un corps, grand soit-il, amène toujours des manifestations. Et si la connexion d'une tige, d'une branche à une tige, peut permettre à cette tige d'avoir des feuilles, des fleurs, ensuite des fruits, bien-aimé, à combien plus forte raison la présence de Christ dans nos vies. Bien-aimés frères et sœurs, on ne peut pas dire qu'on a Jésus-Christ en soi et rester le même. Impossible. Tu ne peux pas dire que tu as reçu Dieu, car Jésus est Dieu, que tu as reçu le Saint-Esprit, qui est l'esprit le plus élevé, mais tu demeures la même personne. Un démon qui entre dans un corps peut transformer un homme en possédé, en fou, en homme méchant, destructeur. La présence d'un démon dans un homme le transforme. Vous voyez un homme qui aimait sa femme, qui n'aime plus, un homme qui commence à maltraiter ses enfants. Et la présence de Jésus-Christ en toi, Jésus-Christ en toi, et ne porte pas de fruits. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous ici prétendent être chrétiens. Et j'utilise très bien le mot « prétendre être chrétien ». Et si réellement vous dites être chrétien, vous devez manifester les fruits de sa présence. Sans cela, bien-aimé, tout ce que vous dites est archi-faux. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque une branche ne porte pas de fruits, elle est coupée et jetée au feu, parce qu'elle n'est pas différente d'une branche qui n'est pas collée à la tige. Une branche collée à la tige qui ne porte pas du fruit n'est pas différente d'une branche qui a été jetée. C'est pourquoi celle qui est attachée à la tige et qui ne porte pas de fruit est coupée aussi, parce qu'elle n'est pas différente à une branche collée à la tige et qui ne porte pas de fruit. Bien-aimés frères et sœurs, vous dites être chrétien. Mais moi, j'ai un problème ces derniers temps avec les gens qui se disent chrétiens, qui disent aller à l'église. Un sérieux problème. Il y a beaucoup de confessions, de déclarations, mais peu de vie, peu de fruits, peu de fruits. Aujourd'hui, je suis venu défier ta spiritualité. Et je suis venu te dire ceci: prouve-moi que tu es chrétien. Ne dis pas que tu es chrétien, prouve-moi que tu es chrétien. Et la Bible nous présente des fruits qui poussent toujours, amen, hein, toujours dans la vie d'une personne qui a la vie de Christ. Toujours. Lorsque une branche est collée à une tige de manguier, elle doit porter des mangues. Alléluia. Et si elle ne porte pas des mangues, elle porte des citrons, elle porte des oranges, ce n'est pas un manguier. Et si un homme dit qu'il est attaché à Jésus-Christ, qu'il a la vie de Christ dans sa vie et ne porte
porte pas ses fruits, il n'a pas Christ. Ou s'il a Christ, il est déconnecté et il est détaché. Frères et sœurs, la première chose qui arrive dans la vie d'un homme qui est attaché au cep, attaché à Jésus-Christ, la première chose qui arrive à un homme qui est attaché à Jésus-Christ, c'est la révélation de Christ. Tu ne peux pas dire être chrétien, mais tu n'as pas la révélation de celui qui t'a sauvé. Tu ne peux pas dire être chrétien, mais tu ne connais pas celui qui t'a sauvé. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Dans Actes 19, versets 4 à 6, Paul tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Jésus-Christ ne s'est pas présenté comme Seigneur, mais dans cette rencontre, il a reçu la révélation que Jésus était Seigneur. Et depuis ce jour, Paul a appelé Jésus-Christ Seigneur. Qui est Jésus pour toi? Celui qui donne l'argent? Celui qui donne le mariage? Celui qui te donne un peu de paix, un peu de joie? Quelle est la révélation personnelle que tu as de Jésus? Qui est Jésus? Certains même prient, mais connaissent très bien le pasteur, connaissent très bien ICC, mais ne connaissent pas Jésus. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Ils maîtrisent tout sur les pasteurs. Ils connaissent le nom de ma femme, le nom de mes enfants, le nom de ceci. Mais qui est Jésus? Qui est Jésus? Peux-tu décrire ton Jésus pendant une heure? Peux-tu parler de ton Jésus-Christ pendant deux heures? Qui est Christ pour toi? As-tu une révélation personnelle, pas une révélation d'église, une révélation personnelle de Jésus? S'il fallait que tu défendes ta foi, que diras-tu de Christ? Il n'y a pas de christianisme sans révélation, mes frères. Sinon, nous sommes dans une religion. J'étais un enfant, j'allais à l'église et je prétendais être chrétien. J'étais même baptisé, confirmé, communié et tout le reste. Je ne connaissais pas Jésus. Jésus pour moi, c'était m'habiller bien et aller à l'église. Point barre. Qui est Christ pour toi? C'est aller dimanche à l'église et danser, donner l'offrande. C'est aller à l'église et puis tu te fais des relations. C'est ça Jésus-Christ pour toi. Qui est-il? Une conception. Quelqu'un à qui tu penses le jour de la Noël, quelqu'un à qui tu penses quand tu as des problèmes, des difficultés, qui est-il pour toi? Si, bien-aimé, tu ne sais pas répondre déjà à cette question, tu as un problème. Et je vous assure, tu n'as pas besoin d'être théologien pour répondre à cette question, car même les enfants de l'école du dimanche peuvent répondre lorsqu'ils ont réellement rencontré Christ. Ça ne demande pas une grande théologie, ça ne demande pas 10 ans dans le Seigneur, ni être pasteur, non. Ça demande seulement une expérience. Une expérience, l'expérience de la nouvelle naissance. Nous avons un problème, c'est que Satan veut faire des églises sans Christ, des chrétiens sans Jésus-Christ. Ainsi nous portons des noms et tout le reste, mais Jésus n'est pas en nous car nous ne le connaissons pas. Christ est Seigneur, alléluia. Christ est Seigneur, c'est celui qui dirige ma vie. C'est celui qui me conduit. C'est celui que je consulte avant de faire quoi que ce soit. C'est lui le maître de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Je ne décide pas par moi-même, je décide par lui. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui est, alléluia, l'auteur de ma première constitution qui est la Bible. C'est lui qui détermine ce que je fais et ce que j'entreprends. Il est Seigneur, il est Seigneur. Je le respecte plus que le président de la RDC. Il est Seigneur, je le respecte plus que mon père, plus que ma mère. Il est Seigneur. Qui est Christ pour toi? Le premier fruit, c'est la révélation. Tu le connais. Pas de manière intellectuelle, tu le connais de manière spirituelle. Et si même tu ne sais pas clairement répondre à ma question, ton esprit répond. Alléluia.
Alléluia. Deuxième chose, l'assurance du salut. Lorsqu'un homme a la vie de Christ, il a une chose, il est sûr qu'il est sauvé. Ça ne s'explique pas. Il sait qu'il n'ira pas en enfer. Il sait que s'il meurt, il ira au ciel. Il sait qu'il a une place dans le paradis. Il n'était pas là lorsque Christ était mort. Il n'était pas là lorsque Christ est ressuscité. Mais il sait que Christ est mort pour lui, ressuscité pour lui. Il a une assurance qui sera enlevée. Il sait que lui ne connaîtra pas la tribulation. Il sait qu'il n'y a pas de place en enfer pour lui. Il sait que Dieu a pardonné ses péchés passés. Il sait que Dieu a tout effacé. Il sait, même s'il avait une vie de péché, il sait que Dieu a tout pardonné. Il a la devant Dieu, il est convaincu qu'il est fils de Dieu, il est convaincu que Dieu le connaît et l'appelle mon enfant. Es-tu sûr d'être sauvé? Galates 2 verset 20 dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si tu meurs maintenant, tu iras où? Es-tu sûr que tu iras au ciel? Si pendant que je prêche, il y a l'enlèvement de l'église, est-ce que tu es sûr que tu seras enlevé? Si maintenant même quelqu'un vient te rappeler toute ta vie passée, est-ce que tu vas trembler ou tu vas dire c'est effacé? Quel est ton comportement face à tes péchés passés? Tu es culpabilisé ou tu dis merci Seigneur pour le pardon? Lorsqu'un homme a Jésus-Christ, il est sûr d'être sauvé. C'est pourquoi il n'a pas peur de la mort. Pourquoi as-tu peur de la mort? C'est vrai, le corps peut avoir peur comme Jésus-Christ devant la mort a prié. Éloigne de moi cette coupe, mais l'esprit a l'assurance qu'il y a une place. Es-tu sûr que tu seras enlevé? Es-tu sûr que tu seras enlevé? Quand tu penses à l'enlèvement, est-ce que ton cœur bat ou tu attends impatiemment? Celui qui a la vie de Christ attend l'enlèvement avec impatience. Il est comme un étudiant qui a bien maîtrisé son cours et qui attend l'interrogation. Mais si vous avez peur de l'enlèvement, il y a un problème. Si vous avez peur de l'éternité, il y a un problème. L'homme qui a l'assurance du salut sait que de l'autre côté, il n'y a pas le feu, mais il y a la joie. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Pourquoi il y a une différence entre les chrétiens de l'église primitive et les chrétiens actuels? C'était l'assurance du salut. Ils pouvaient accepter d'être persécutés, même d'être tués, d'être dévorés par des lions, brûlés et chantés parce qu'ils étaient sûrs que de l'autre côté, il y a une place. Mais les chrétiens aujourd'hui pleurent devant la mort. Ils pleurent devant la mort. Alors que la mort est une porte qui te permet de voir celui que tu ne vois pas, Jésus-Christ. Ils tremblent devant la mort. Ainsi, nous sommes incapables d'accepter la persécution jusqu'à la mort. Si on commençait à tuer les chrétiens et qu'on entrait dans ce lieu avec une arme et qu'on dise « Quiconque est chrétien, nous le tuons, vas-tu rester ?» Moi, je resterai. Car vivre sans Christ n'est pas vivre. Vaut mieux mourir maintenant que vivre sans lui. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que ton amen est un vrai amen ou bien c'est un amen religieux? Mais alors si tu crois que Jésus-Christ t'a pardonné, pourquoi quand ta vie va mal, tu confesses des péchés passés alors que Dieu a tout oublié? Pourquoi quand tu as des problèmes, tu dis c'est à cause de mes péchés passés? Bien-aimé, quand Dieu t'a pardonné, il t'a pardonné et il ne te traite pas dans le présent en fonction de ton passé. Je dis, il ne te traite pas dans le présent en fonction de ton passé. Il peut t'éprouver, il peut t'enseigner, te former, mais jamais te punir pour tes péchés passés. L'assurance du salut. La troisième chose, la communion fraternelle. Lorsqu'un homme a Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe. Il aime tous les chrétiens. Que tu sois de sa tribu ou pas, de sa race ou pas, riche ou pauvre, intellectuel, analphabète, il t'aime parce que tu es le fils de papa.
C'est pourquoi la Bible dit que les chrétiens de l'église primitive persévéraient dans la communion fraternelle. Une fois que tu nais dans une famille, tu aimes tes grands frères. Et tu aimes tes petits frères. Mes enfants s'aiment parce qu'ils ont le même sang. Et je t'aime parce que tu as été lavé par le même sang que moi. C'est le même sang. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois riche, que tu sois pauvre. Je t'aime parce que tu as été lavé par le sang de l'agneau. Et alors je te pose la question, est-ce qu'il y a en ce lieu un frère que tu aimes beaucoup? Parce que souvent lorsque nous parlons de communion fraternelle, ce sont des moments superficiels avec des faux sourires que nous partageons. Est-ce qu'il y a un frère dans cette église que tu aimes tellement au point où quand il ne vient pas à l'église, tu es malade? Est-ce que tu as une sœur dans cette église que tu aimes tellement que lorsqu'elle est dans la joie, tu es dans la joie et quand elle pleure, tu pleures? Quel est son nom? Certains ici même ne connaissent personne. Mais ils disent, je suis chrétien, je vis la communion fraternelle. Avec qui? Avec des chaises. Après le culte, il s'en va, il sort du temple, il ne salue personne. Lui, il ne s'occupe que du pasteur comme si l'église était une université. L'église, ce n'est pas une école, c'est une famille, c'est une famille, c'est une famille, c'est une famille. Il y a des gens qui se glorifient de ne pas être intégrés. Bien-aimé, quand tu n'es pas intégré dans l'église, c'est une preuve que tu n'es pas spirituel. Moi, je m'occupe de personne. Je ne cause pas avec les gens. Pourquoi j'évite des problèmes? Est-ce qu'il y a un enfant dans la famille qui dit cela? Même si ses frères et sœurs sont problématiques, nous demeurons dans la famille. Mais à l'église, il y a des gens qui se déclarent non intégrés. C'est parce que tu n'as pas la révélation du corps et tu n'as pas la révélation de Jésus. Voyez les gens qui étaient autour de Jésus-Christ. Un Pierre à côté d'un Judas. C'est terrible. Un Pierre à côté de Judas. Est-ce que tu ressens de l'amour pour ce frère qui est à côté de toi? Ou bien vous êtes assis comme dans un avion? Oui, l'avion, dans l'avion, on s'assied. Des fois, tu dis, pourquoi on a mis ce gaillard à côté de moi? Et il y a des gens aussi à l'église. Mais pourquoi on a mis ce gars à côté de moi? Il ne fait que parler en d'autres langues. Mais il me dérange. Il ne sent pas bon. Mais parfume-le. Quand ton frère devient grand, est-ce que tu es dans la joie? Quand ta sœur se marie, est-ce que tu es dans la joie? Lorsqu'il achète une voiture, tu es dans la joie? Lorsqu'il a des enfants, tu es dans la joie? Lorsqu'il achète une maison, est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que vous vous aimez? Être chrétien sans aimer ses frères en Christ, ce n'est pas être chrétien. Jésus est mort pour ses frères. Il est mort pour nous. Lui, le premier-né, il est mort pour nous, ses cadets. Il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de vie de Christ sans communion fraternelle. Et quand je parle de communion fraternelle, je parle de quelqu'un qui a un nom. Parce que nous avons des communions fraternelles avec des murs. Oui, communion fraternelle, tu es là. Qui? Après le culte, là, tu vas causer avec qui? De manière personnelle et profonde. C'est ça le problème des fois, même quand les églises deviennent grandes, pasteur. Les gens deviennent des numéros. Ils sont superficiels avec tout le monde. Salut, salut, shalom, shalom, hallelujah, hallelujah. C'est tout communion fraternelle? Non. Tu connais où j'habite? Est-ce que tu sais quand je ne viens pas à l'église? Quand je suis malade, est-ce que tu viens? Quand j'ai un deuil, est-ce que tu pleures avec moi? C'est ça la communion fraternelle. Ce n'est pas un petit bisou, 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 bisou après le culte. Non, c'est plus profond que ça. Je dis c'est plus profond que ça. Des fois, dans nos maisons, on ne se donne pas des bisous, mais on s'aime, n'est-ce pas? Oui, qui se sont donné des bisous aujourd'hui? Mais tu aimes ton frère. Tu es prêt à te battre pour lui. Tu es prêt à lutter avec lui. Et il y a deux personnes qui m'ont vraiment enseigné dans ce domaine. C'est le frère Jacques et le frère Joseph. Quand je les vois comment ils s'aiment, depuis qu'ils sont enfants, ils se sont mariés, ils ont des enfants. Mais des fois, je dis, mais leur femme risque d'être jalouse. Ils s'aiment à un niveau. À un niveau. Tu dis, ça, c'est l'amour. Est-ce que tu as un frère que tu aimes beaucoup ici? Qui en a? Tu as une sœur que tu aimes beaucoup? Tu en as? Garde-le. Tu as la grâce. Alléluia. Un autre fruit
c'est l'amour de la parole. La Bible dit dans Actes 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Lorsque on a la vie de Christ en soi, on aime la parole. On aime les enseignements plus que les prédications. Amen. Il y a des gens qui aiment les prédications, ils aiment quand les prédicateurs commencent à vibrer. Amen. On saute. Ah, c'était chaud. Oui, on peut faire ça aussi. Mais sachez que cela ne fait pas beaucoup grandir. Ce qui fait grandir, c'est l'explication de la parole. Tu vois cet enseignement si calme, il y a 10 prédications dedans. Mais dans une prédication, il n'y a pas beaucoup d'enseignements. Est-ce que tu aimes l'enseignement? Ceux qui ont la vie de Christ, ils aiment l'enseignement. Ils aiment écouter un prédicateur qui leur explique la parole de Dieu. Pas qui leur donne des émotions et des sensations et qui leur donne des bons cultes. Mais un prédicateur, quand ils l'écoutent, ils apprennent et ils grandissent. Même si ça ne vibre pas, mais ils comprennent. Ton professeur de mathématiques ne vibrait pas lorsqu'il t'enseignait la mathématique, mais aujourd'hui tu es licencié. Alléluia. Mais quand tu n'aimes pas la parole, tu aimes le show à l'église. Et des fois, on peut croire que tu aimes la parole alors que tu es un showman. Quand on t'enseigne la parole calmement, comment tu te sens? Tu t'ennuies? Tu as un problème, tu n'as pas la vie de Christ. Des fois, il faut qu'on te chauffe pour que tu ne dormes pas. C'est parce que tu as un problème, tu ne l'aimes pas beaucoup. Quand tu aimes beaucoup une femme, qu'on te parle d'elle en vibrant, sans vibrant, tu écoutes pourquoi tu l'aimes. Quand on aime la parole, on lit la parole. On lit la parole, on n'a pas que sa Bible. Eh, ma Bible est belle. Eh, c'est quelle version Thompson? Mais on lit la Bible. Quel est le verset que tu as lu aujourd'hui? Quel est le verset que tu as lu hier? Quel est le chapitre que tu viens de terminer? Quel est le personnage biblique que tu es en train d'étudier? Des chrétiens sans Bible. On maîtrise WhatsApp, YouTube, Facebook, Imo, Viber, Instagram. Mais on ne maîtrise pas la parole. Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu connais la Bible? Combien de chapitres tu oses lire par jour? Nous avons le temps pour tout, mais pas pour lire la Bible. Un problème. Frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Nous ne vous prêcherons jamais la Bible de Genèse à Apocalypse. Car nous, prédicateurs, nous prêchons ce que nous lisons. Et si l'Esprit ne m'amène pas dans Chronique, je ne prêcherai jamais les engendres. Mais il se peut que ton miracle est dans engendra. Il y a des prédicateurs qui ne prêcheront jamais Chronique de Chronique, qui ne prêcheront jamais Nahum, Habakkuk, Sophonie. Mais Dieu t'attend dans Sophonie. Tu dois lire Sophonie toi-même. Alléluia. C'est du self-service. Alléluia. Du self-service. Car sachez ceci. Qu'est-ce qu'un enseignement, une prédication? C'est lorsque j'ai tellement mangé et j'ai ruminé, je viens vomir. Et je ne donne que ce que j'ai mangé. Et ce que je n'ai pas mangé, je ne le vomis pas. Et tu auras toujours à recevoir ce que j'ai lu. Mais il y a des choses que tu dois recevoir sans que je lise. Frères et sœurs, tu te dis chrétien, mais comment tu n'arrives pas à lire la Bible? Le jour que j'ai donné ma vie à Christ, il n'y avait pas un pasteur à côté de moi. Mon esprit me disait, va lire la Bible, va lire la Bible. Je suis allé lire, je lisais debout. J'étais dans le bus, je lisais. À l'école, je lisais. À la récréation, je lisais. Je voulais connaître le Dieu qui m'avait sauvé. Je voulais connaître l'histoire d'Israël. Je voulais connaître mon futur. Je voulais connaître quels sont mes droits et mes devoirs. Je voulais connaître ce Jésus-Christ en profondeur. Et en moins d'un temps, j'avais fini de lire mon Nouveau Testament. Et quand je parlais, on disait, tu es pasteur, tu es prédicateur. Je viens de me convertir. Est-ce que vous lirez même ces versets que vous écrivez? Oui, aujourd'hui, écrire les versets en plein culte, ça fait fashion, c'est tout. Ouais. C'est tout. C'est cool, c'est ouais, ouais. Oui, tu écris et tu écris. Est-ce que tu relis? Pourquoi vous n'aimez pas la Bible? C'est parce que vous n'aimez pas Jésus. Car l'amour pour Christ te conduira vers sa parole. Te conduira vers sa parole. Bien-aimé, si quelqu'un que tu aimes t'écrit un SMS, un WhatsApp, avec beaucoup de cœur et de bisous, tu liras.
Et je vous dis que la Bible, c'est le WhatsApp de Jésus-Christ. C'est le SMS de Jésus-Christ à son épouse. Mais comment tu ne lis pas? Est-ce que tu es en train de découvrir la Bible? J'aimerais vous dire, ça fait maintenant 19 ans que je suis prédicateur. Chaque fois que je lis la Bible, je la redécouvre. Il y a de nouvelles choses. Oh, mais ça, j'ai jamais vu. Mais ça, j'ai jamais vu. Mais il y a des gens à peine convertis, 2 ans. Ils se comportent comme si il a maîtrisé l'hébreu, le grec, l'eschatologie et tout le reste. Il se peut que tu n'es pas chrétien, mais tu penses être chrétien. Si un enfant naît, il aime le whisky, mais n'aime pas le lait. Bien aimé, faites très attention. Tu aimes beaucoup les séries, mais tu n'aimes pas la Bible. Tu peux suivre une série pendant 2 heures du temps, mais tu ne peux pas lire la Bible pendant 10 minutes. Et tu dis que tu es chrétien. Tu es quel genre de chrétien? Tu penses que Jésus ferait ce que tu fais? Hallelujah. La haine du péché. Acte 2, verset 43 dit, il persévérait. Plutôt, et la crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres. La haine du péché. Bien-aimés frères, voici un autre fruit qui pousse sur les branches connectées à Jésus. C'est la haine du péché. Tu aimes la musique mondaine quand seulement tu reçois Jésus. Tu ne supportes plus cette musique-là. Tu ne supportes plus les clips-là. Toi-même, tu prends le CD, tu le casses. Alléluia. Tu vas, tu effaces dans ton téléphone ces musiques bizarres. On ne te dit pas. Tu as la haine du péché. Tu n'arrives pas. Tu vivais dans le mensonge, tu vas, tu dis la vérité. Tu vivais avec un mari d'autrui, tu dis c'est fini. Tu avais une copine, tu dis fini les bisous. Tu dis, c'est toi-même qui le dis. Frère, si tu ne sens pas de la haine et l'aversion pour le péché, fais attention, il se peut que tu n'as pas Christ. Tu es un religieux. Tu viens à l'église, nous te connaissons, mais Jésus ne te connaît pas. Quand tu es dans le péché, comment tu te sens? Mal à l'aise ou tu as la paix? La paix que tu as dans le péché révèle que tu as une mauvaise nature qui n'est pas divine. Tu es un arbre, une branche qui ne porte pas de fruits, qui sera coupée. La haine du péché. Et je vous assure, nous, quand nous nous sommes convertis, on avait exagéré dans la haine du péché, de sorte qu'on appelait péché ce qui n'était même pas péché. On exagérait. Une sœur, tu peux même pas faire bisous, c'est alléluia, sœur. Shalom. Jusqu'à ce que Dieu te dise, non, les femmes ne sont pas les démons. Ah, d'accord, d'accord. Mais toi, tu es dans une vie de mélange. Mais tu te dis chrétien. Tu es dans une relation avec un mari qui t'a même pas épousé. Et tu te dis chrétienne. Vous faites des bébés ensemble sans mariage. Et vous dites chrétien. En quoi vous êtes chrétien? Tu t'enivres, tu es chrétien. Quel genre de chrétien? Un chrétien ivrogne. Quel chrétien tu es? Tu as toujours des raisons pour persévérer dans le péché. Tu peux endoctriner quelqu'un même dans le mal. Tu es capable d'entraîner quelqu'un dans le péché, mais tu es chrétien. Samedi, tu vas dans les boîtes de nuit, mais tu es chrétien. Tu as une vie d'hypocrisie, une vie de duplicité. Le véritable toi, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas, mais tu te dis chrétien. Ça, c'est quel genre de chrétien? Tu penses que Jésus-Christ donne aux gens des masques? Et ce qui est terrible, c'est que tu as la paix dans cette vie-là. Ce n'est pas que ça te dérange, parce que certains, ils ont une mauvaise vie et ça les dérange. Mais toi, tu as la paix et tu t'arranges pour maintenir cette vie de duplicité où à la fois tu es honoré, respecté à l'église et tu es dans le monde. Frères et sœurs, moi je te conseillerais ceci, suspends-toi toi-même. Suspendez-vous. Tu es choriste, tu mènes une mauvaise vie. Même si le pasteur ne le sait pas, tu te suspends. Alléluia. Tu es honoré à l'église, mais tu sais que tu as une mauvaise vie. Tu te suspends toi-même. N'attends pas qu'on le découvre qu'il y a un scandale. Tu te suspends toi-même. Pourquoi? Lorsque tu reçois l'honneur à l'église et tu vis dans le péché, tu risques d'être anesthésié contre la vérité. Anesthésié contre la vérité. Car aujourd'hui, les gens aiment servir Dieu, mais ils ne veulent pas marcher dans la crainte de Dieu.
Ne lui prive pas de faire son protocole. Ne lui prive pas de chanter sa chanson. Ne lui prive pas ses responsabilités. Ne lui prive surtout pas. Ne lui prive pas. Mais qu'il soit impudique, qu'il soit ivrogne, mais il faut le tolérer et l'accepter. Ne lui privez pas de servir sans Jésus. Sans Jésus, toi tu l'aimes. Tu as l'horreur du péché. Où tu vois la même fille que des hommes touchés comme ils voulaient. Un homme la touche comme ça, elle peut même vomir. Hé ! Enlève tes... Enlève... Elle a la révélation qu'elle est le temple du Saint-Esprit. Voyez ici, ça pouvait être une boîte de nuit. Et les gens peuvent venir, ils dansent. Mais une fois qu'on en fait l'église, on ose seulement mettre une musique mondaine, les gens dansent. Qu'est-ce qu'on va dire ? Comment avez-vous ? Comment avez-vous ? Ici, nous prêchons. Mais toi, tu es plus que ce temple. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Mais comment tu tolères des choses qu'on ne peut tolérer dans un bâtiment fait de ciment ? Fait de ciment ! La haine du péché, l'horreur du mal. Ou quand tu fais le mal, tu as envie de te donner même des coups. Tu dis, comment j'ai pu faire ça, Seigneur ? Oh Dieu ! Est-ce que tu as ça ? Je t'assure que si Jésus vit en toi, tu l'as. Si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Tu n'as pas Jésus, tu penses l'avoir, c'est intellectuel, mais tu n'as pas d'expérience. C'est pourquoi je parle aussi de la transformation du caractère. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Lorsque un homme a la vie de Christ, voici ce qui arrive dans sa vie. Il y a clairement un passé et un présent. On dit Marcelo avant était Marcelo Vinci, Enrico Mandeli, le grand Rachakul, MC DJ Cool. Mais aujourd'hui, c'est le pasteur Marcelo Tounassi. Est-ce que dans ta vie, il y a un passé et un présent? Si dans ta vie, le présent et le passé sont confondus, il n'y a pas eu d'expérience de Christ. Car lorsque Jésus vient dans ta vie, il y a un passé et il y a un présent. Il y a un passé et un présent et les hommes le disent. Et ce n'est même pas toi qui le diras. On dira que tu as changé. Tu étais et tu es devenu. 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 Dans le monde, tu étais quelqu'un qui parlait, qui médisait, médisance. Et à l'église aussi, tu continues les médisances en Christ. Avant, c'était les médisances païennes, maintenant c'est en Christ. Tu n'as pas changé. À Kinshasa, on les appelle les mamas et oiseau. Tu sais. Et tu amènes ça à l'église aussi, des médisances, des calomnies. Tu n'as pas changé. Orgueilleux quand tu étais païen. C'était l'orgueil des vêtements. Maintenant, tu as l'orgueil de la Bible. Wow. Avant, tu avais l'orgueil. Mon père est ceci, mon père est cela. Maintenant, tu as l'orgueil de l'onction. Tu as senti la dimension. Tu es toujours colérique comme quand tu étais païen. Rancunier comme avant. Avant, si on ose te provoquer, ah là 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 là, ça sort. Aujourd'hui encore, ça sort. N'est-ce pas que tu blesses les gens à l'église? Combien tu blesses à l'église? Si on te provoque, tu as la réponse facile. Hein? Et tu as une réponse quand tu donnes, quelqu'un peut se suicider. Et les gens qui n'ont pas changé, écoutez souvent comment ils parlent. Fais attention, frère. Moi, dans le monde, non. Quelqu'un qui est mort ne dit jamais ça. Les morts ne parlent pas de leur passé parce qu'ils ne le connaissent pas. Frère, arrête. Moi, dans le monde, je t'assure. Ah, tu as la grâce. Tu m'as trouvé converti. La transformation. De sorte même que toi-même, tu ne te reconnais pas. Ça t'arrive?
Moi, il m'est arrivé une fois, quelqu'un m'humiliait à un niveau, je n'ai pas réagi. Et la personne est partie. Oh, j'ai dit non, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien fait. J'ai dit non, Marcelo, non. Je n'ai rien eu à dire. Ni rien. Alors qu'avant, donc... Et la personne est partie. Et puis tu te dis non, 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 non. Prochainement. Mais rien. Pourquoi? Tu es mort. Tu es changé. Transformé. Même si tu veux réagir, tu n'arrives pas. Est-ce que tu as vécu ça? Si tu n'as pas vécu une telle transformation, la sémence de Dieu n'est pas en toi. Jésus ne vient pas te donner des émotions. Il vient te transformer. De sorte que ton mari te dit, non chérie, tu as changé. Mon mari, tu as changé. C'est pourquoi même dans le domaine du couple, le meilleur témoignage d'une femme est dans la bouche de son mari. Le meilleur témoignage d'un mari est dans la bouche de sa femme. Ne nous dis pas que tu as changé. Allons poser une question à ta femme. Celle qui dort avec toi. Tu sais, tu peux être hypocrite avec tout le monde, sauf avec ta femme. Devant vous tous, je suis un bon pasteur. Mais c'est ma femme qui sait qui je suis. Et c'est son témoignage qui est le plus grand que vous tous. Parce qu'elle, elle vit avec celui qui prêche et celui qui descend. Si je peux poser maintenant une question à ta femme, qu'est-ce qu'elle dira? Et je dis, maman, je ne dirai pas à ton mari. Qu'est-ce qu'elle me dira? Qu'est-ce que ta femme me dira? Je dis, tout ce que tu me dis, je le cache. Qu'est-ce que ta femme me dira? Ma soeur, j'aimerais te dire, c'est un grand judoka. Tu bats ta femme. Tu l'as battue quand tu étais païen. Tu bats toujours ta femme. Tu trompais ta femme. Maintenant, tu continues à la tromper. Avant, tu trompais avec des filles dans les boîtes. Maintenant, tu trompes ta femme avec des femmes à l'église. À l'église, elle te cache. Elle te cache parce que tu as des responsabilités. Mais elle te cache. Tu n'as pas changé. Tu n'es pas transformé. Tu danses seulement beaucoup. Tu suis beaucoup les vidéos sur YouTube. C'est tout. Ce qui a changé dans ta vie. Tu suis maintenant beaucoup des vidéos sur YouTube. Oui, parce que c'est ce que ce qui est bizarre maintenant, pasteur. Je remarque qu'il y a des gens qui aiment beaucoup mes prédications, mais qui ne changent pas. C'est-à-dire, tu condamnes les habits impudiques et ils sont habillés de manière impudique. Dis, pasteur, j'aime beaucoup tes prédications. Hein? N'aimez pas mes prédications. Pratiquez mes prédications. N'aimez pas. Je ne veux pas des fans. Je ne cherche pas des fans. Je ne cherche pas des fans. Je ne cherche pas des fans. Je cherche des disciples de Jésus-Christ. N'aimez pas les prédicateurs. N'aimez pas les prédications. Pasteur, je t'aime bien. J'aime bien comment tu prêches. Pratique ce que je te dis. C'est ce qui va te sauver. Je ne peux te sauver. C'est la parole qui va te sauver. Une autre chose, la certitude d'être pèlerin ici-bas. 1 Pierre 1, verset 15. « Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Lorsque tu reçois Jésus-Christ, voici quelque chose qui t'arrive encore. Tu te sens comme un pèlerin sur la terre. Tu le sens. Même si tu as de l'argent, même si tu as tous les biens de ce monde, tu sais que tout cela est passager et tu vas quelque part. Tu regardes toutes les bénédictions que Dieu te donne avec détachement. Dernièrement, je suis allé quelque part, je suis en train de faire certaines choses et c'était grand, c'était très bien. Et puis j'étais avec un pasteur à côté de moi, il m'a dit, « Pasteur, quand tu vois tout ça, ça te fait quoi ?» J'ai dit, « Oui, je suis heureux, mais je sais que tout ça restera. Tes maisons vont rester. Et quelqu'un qui a la vie de Christ sait que cette maison restera. Ces voitures resteront. Toute cette gloire n'est rien. Il y a plus important que cela. Ma place au ciel. Vous voyez, je peux bien prêcher ici, je peux prêcher à Paris, mais mon cœur est à Kinshasa. Je suis pèlerin à Bruxelles. Je suis pèlerin à Bruxelles. Et j'ai amené quelques chaussures seulement. 2-3 vestes, point barre. Pourquoi pèlerin? Mais là-bas, tout y est. Pareil aussi. Sur la terre, 2, 3, 4, 5 choses. Quelques maisons, quelques cela. Mais de l'autre côté, des châteaux. Est-ce que tu le crois? Mais pourquoi alors tu es tellement attaché aux choses de cette terre? Quand Dieu te dit, donne ta voiture. Non, Seigneur, Seigneur. La même fait, Seigneur.
Donne ton argent pour mon œuvre. Jamais, jamais, Seigneur, jamais, 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 jamais. Oui, s'il faut que tu haïsses quelqu'un, il faut qu'il te dise de donner les biens de ce monde. Là, tu vas haïr. Je vais devenir un faux pasteur à la minute, à la seconde, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu regardes tes bijoux. Oh Dieu. Tes quelques bijoux. Quand tu regardes ta voiture, ta maison, ta toute petite maison de trois chambres. Mais quelqu'un qui a Christ, même s'il est millionnaire, il sait que c'est passager. Et si Dieu lui dit donne, il donne. Détache-toi, il se détache. Pourquoi? Il sait qu'il a la vraie richesse dans l'éternité. Est-ce que tu es sûr que tout ce que tu fais sur cette terre a une répercussion dans l'éternité? Et si ton cœur est dans l'éternité, tu seras attaché à l'éternité. Et tu ne vas jamais tomber dans les stress et dans les dépressions parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu n'as pas de voiture, parce que tu n'es pas marié, parce que non. Les pèlerins ne tombent jamais dans la dépression parce qu'ils sont pèlerins. Ce sont les habitants qui sont dépressifs. Si je viens en Europe et je n'ai pas une maison, je ne suis pas dépressif. Pourquoi? Je n'habite pas ici. Je peux vivre dans un hôtel. Pourquoi? J'habite l'autre côté. Toi aussi, tu habites l'autre côté. Mais tu es venu en escale ici. Tu le crois? Tu viens de l'éternité en escale sur la terre et tu rentres dans l'éternité. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Mais pourquoi alors tu es triste? Tu es triste. Tu es triste parce que tu n'as qu'une chambre. Tu es triste et tu es venu à l'église en colère. Aujourd'hui, j'adore pas. Je n'ai pas prié. Pourquoi je ne me marie pas? Tout le monde s'est marié autour de moi. Ça, c'est quel pèlerin? Remarquez que lorsque Israël traversait le désert, Dieu n'a pas permis qu'ils bâtissent des choses solides parce qu'ils étaient passagers. Et même le tabernacle était dans une tente parce qu'il devait passer. Et Dieu te donne des tentes, mais toi, tu veux que Dieu bâtisse. Un pèlerin, il possède comme s'il ne possède pas. Il est marié comme s'il n'est pas marié. C'est ça, un pèlerin. Il n'est pas dans sa richesse et dans ses bénédictions. Ce sont des instruments qui préparent la vraie richesse. Il se sert des biens de cette terre pour les transférer dans l'éternité. Et il ne peut haïr un homme pour les choses de ce monde. Tu as de la haine pour quelqu'un, pour une voiture, pour une maison, pour une parcelle. Tu as de la haine, haine contre quelqu'un parce qu'il ne t'envoie pas l'argent. Tu as la haine, tu as de la haine parce que quelqu'un t'a pris ta veste. Tu as la haine. Certains même la haine parce qu'on a mangé sa nourriture. Oh, je sais ce que je dis. Il a la haine parce qu'il a laissé un chocolat dans le frigo et on l'a mangé. Un chrétien, il perd la plénitude du Saint-Esprit à cause d'un chocolat. Ta femme repasse ta chemise et la brûle. Tu es en colère comme si tu as perdu le salut. Vous savez pourquoi nous réagissons comme ça? Nous ne sommes pas des pèlerins. Un pèlerin pardonne facilement. Il oublie facilement parce qu'il est en route, il est en marche. Frère, sœur, est-ce que tu sens des fois dans ton esprit, je ne dis pas la fuite, mais le désir d'aller de l'autre côté? Au début de ma foi, j'avais ce problème. J'avais tellement compris que j'étais un pèlerin, que je désirais la mort. Et en ce temps-là, il y avait des troubles à Kinshasa, il y avait des pillages et tout. Et tout le monde évitait d'aller à côté des fenêtres parce qu'il y avait des balles perdues. Et moi, j'allais à côté de la fenêtre, j'ai dit, oh Dieu, une balle perdue, Seigneur, une balle perdue. Parce que si je me tue, je vais en enfer, mais une balle perdue, oh Dieu. Et quand ça tirait fort, j'ai dit, Dieu, une balle perdue, je vais aller au ciel, j'en peux plus. Et puis Dieu m'a dit, c'est vrai, tu dois désirer le ciel, mais lorsque je te donne la vie sur terre, tu dois la maximiser pour sauver les âmes. C'est pourquoi Paul dit, je suis pressé de deux côtés. Je désire aller de l'autre côté pour voir Christ et je désire rester pour vous édifier. Est-ce que tu sens ça? Quelqu'un qui a Jésus sent ça. Il sent ça. Des fois,
fais voir la nouvelle Jérusalem céleste. Tu lis Apocalypse. Et puis tu dis, oh Jésus, pour moi. Mais quand tu regardes ta femme et tes enfants, yo, oh Dieu, je reste. Si tu ne sens pas cette dualité en toi, fais un bilan. Tu ne l'as pas connu. Je vous assure, tu ne l'as pas connu. Une autre chose, c'est la passion pour les âmes perdues. Pose la question à ton voisin. Cette année, tu as gagné qui à Christ? Réponds-lui. Personne. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 16, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, la passion des âmes. » Lorsqu'un homme a la vie de Christ, il prie pour les âmes. Si je prie une heure, le trois quarts, j'ai pris pour les âmes perdues. Si je prie deux heures, le trois quarts, les âmes perdues. Et quand je prie, je peux même pleurer. Mais je ne connais pas ces hommes. Mais Dieu te prête son cœur. Quand vous voyez les païens, quand vous voyez les homosexuels, les lesbiennes, qu'est-ce que vous sentez? Du dégoût ou de la compassion? Un enfant de Dieu sent de la compassion. Il ressent la compassion. Qu'est-ce que tu sens quand tu vois un pécheur? Tu le juges, tu le condamnes ou tu te mets à sa place? Quand tu vois un fou, qu'est-ce que tu ressens? Il est sale, dégoûtant. Ou tu dis, Seigneur, comment une créature de Dieu peut être dans cet état? Quand tu viens à l'église des fois, il y a des chaises vides. Qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens le besoin d'aller parler. Ou tu dis, ah, l'église est en train de mourir. Cette année, tu as amené combien de personnes à Christ? Cette année, tu as amené combien de personnes à Christ? Il n'y a pas de christianisme sans évangélisation. Et l'évangélisation, ce n'est pas le travail du pasteur seulement. Ce n'est pas le travail de certaines personnes à côté de l'homme de Dieu. C'est le travail de tout chrétien. Un vrai chrétien qui a Jésus en lui ressent de la compassion pour les âmes perdues. Et il n'a pas besoin même d'être dans un département d'évangélisation pour aller parler de Christ. Il parle de Christ à l'université, à l'école, au boulot, partout. Si tu passes des mois et des années sans penser aux âmes, sache frère que ce n'est pas être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas aller à l'église, chanter, danser, rentrer seulement. Non, être chrétien, c'est plus que cela. D'ailleurs, c'est nous qui avons amené le christianisme à être une vie qui se vit dans un temple. Mais bien aimé, lorsque tu lis la Bible au commencement, le christianisme se vivait dehors. C'est dehors que Jésus-Christ a fait la plupart de ses miracles, qu'il a gagné la plupart des personnes. Est-ce que tu arrives, tu parles de Jésus? Comment peux-tu dire que tu es chrétien mais tu ne parles pas de Jésus? J'ai été défié un jour. J'étais à l'aéroport, je crois, aux États-Unis. J'ai vu devant moi un musulman prendre son tapis à l'aéroport. Il a commencé à faire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nous tous, on était là. Il s'en fout de nous. J'ai dit, Seigneur, si on était ainsi. Tu commences à parler en d'autres langues dans un aéroport, même les chrétiens vont te dire, mon frère, pas ici quand même. Hein? Arrête de nous humilier comme ça. Rimayakashaka, ribaba. Frère, la paix du Seigneur. Mais lui, personne n'est venu lui dire, oh bien-aimé, arrête d'y aller. Les autres étaient fiers de lui, vraiment, voilà. Tu as honte de parler de lui. Mais tu parles affaires très bien, tu parles football très bien, tu parles de Barcelone très bien, tu parles de Real de Madrid très bien, tu parles affaires, business très bien. Mais quand il s'agit de parler de Jésus-Christ, tu n'arrives pas et tu veux me dire que tu l'as dans ta vie. Et tu veux me dire que tu es en communion avec lui, que tu es attaché avec lui. Remarquez les nouveaux convertis. Parlent de Jésus-Christ tout le temps. Même s'ils ne maîtrisent pas la parole, même s'ils ne maîtrisent pas les Écritures. C'est tellement fort dans leur cœur qu'ils doivent le dégager. Tu donnes toujours des raisons. Je ne connais pas la Bible. Lorsqu'une fille tombe amoureuse d'un homme, elle va directement dire à ses amis, « J'ai dit oui. Kiwi. » Mais tu as dit oui à Jésus, le roi des rois,
le Seigneur des Seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu parfait. Tes amis ne sont pas au courant, ta famille n'est pas au courant, ton patron n'est pas au courant, ton chef n'est pas au courant. Et tu dis que tu as Jésus, le vrai, le Jésus là, de la Bible, que Paul a reçu, que Pierre a reçu. Faites très attention. N'accompagnez pas les pasteurs dans leur récolte et leur moisson. Parce que des fois, les fidèles, vous pensez que le fait de voir un homme pécher fait que vous péchez. Si tu m'accompagnes dans une pêche et je pêche 1000 poissons, ce ne sont pas tes poissons. Et je peux être là, je prêche la parole et puis je dis qui veut recevoir Jésus. Il y a 500 personnes. C'est ma récompense devant Dieu. Parce que je serais venu dire autre chose. Et tu peux être dans une église qui grandit, mais tu n'y participes en rien du tout. Tu n'as amené personne à Christ. Mais dans le monde, combien de gens tu as égarés? Quand tu as découvert Rihanna, tu as donné ses CD à combien? Quand tu as découvert Beyoncé, tu as donné ses CD à combien de personnes? À combien de personnes? Quand tu as découvert une nouvelle musique, quand tu as découvert une nouvelle boisson, quand tu as découvert une nouvelle drogue, quand tu as découvert une nouvelle boîte de nuit, à combien de personnes tu l'as dit? Mais depuis que tu dis être chrétien, tu as honte. Des fois même, tu oublies qu'il faut parler de lui. Qui sont tes fils spirituels? Qui sont les produits de ta foi cette année-ci? S'il faudrait qu'ils se tiennent debout ici et qu'ils disent, c'est lui qui m'a montré Jésus. C'est par lui que j'ai connu Christ. Ils sont à combien cette année? Combien? Combien? Et pendant que tu ne fais rien, les sorciers envoûtent les gens, ils endoctrinent les gens, les magiciens endoctrinent les gens. Il y a de plus en plus des gens qui sont dans les ténèbres, mais tu dis avoir la lumière, tu n'as éclairé personne. La seule chose que tu faisais, Seigneur bénis-moi, élève-moi, ma destinée, la promesse. Je sais que j'abîme ton dimanche, mais c'est un très bon dimanche. Une autre chose, l'amour pour Christ. Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Quand tu as Christ en toi, tu l'aimes plus que tout. Alléluia. Tu l'aimes plus que tout. Je me souviens quand j'ai commencé le ministère, j'avais dit à Dieu, si en te servant, je serai un homme pauvre, avec une peau abîmée, dormant par terre, si c'est ton plan, je l'accepte. Et je vous assure, j'ai vécu des choses. J'ai manqué où manger, où me laver dans ma vie. J'ai dormi dans des garages, sans même des clés. Tu dors et tout le monde peut entrer quand il veut, à même le sol. Tu mets une toute petite mousse. Le matin, tu vas à l'église, tu prêches de tout ton cœur et tu rentres. Tu fais un jeûne et tu n'as pas quoi manger pour finir ce jeûne. Le culte prend fin à 19h, tu te retrouves à la maison à 23h parce que tu n'as pas eu assez de moyens pour louer un taxi. Mais tu l'aimes de tout ton cœur. La plupart des cantiques que j'ai composées, c'est en cette période-là. Je lui disais, je t'aime. Je me souviens une fois, je suis allé prêcher dans un village. Et quand il fallait que je prenne ma douche, il m'amène quelque part, bien-aimé, à ciel ouvert. Et pendant que je me lavais, la pluie a commencé. Je me lavais l'eau du seau et l'eau du ciel. Et là, j'ai composé un cantique. Je veux vivre pour toi, mon Jésus. Toi, tu as accepté de marcher sur cette terre, toi le Fils de Dieu, le soleil t'a brûlé, tu as eu faim, tu as eu soif. Alors, s'il faudrait que je souffre un tout petit peu pour toi, c'est un privilège, c'est un plaisir. Tu ne l'aimes plus parce que tu n'as pas d'enfant, tu ne l'aimes plus parce que tu n'as pas les papiers. Rien que ça, si on te présentait des gens qui sont en prison pour Jésus, des gens qui sont debout toute une journée. Son péché, il a seulement dit que Jésus est Seigneur. Mais dans cette prison, il aime Dieu. Si on te présentait des gens qui ne vont même pas à l'école, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de vêtements, mais qui aiment Jésus passionnément. Mais toi, dans ton confort, tu te plains.
dans ton luxe, tu te plains. Et tu lui dis même, Seigneur, si ça ne change pas, je vais t'abandonner. Seigneur, si ça ne change pas, je vais t'abandonner. Si tu ne me donnes pas un enfant cette année, je vais t'abandonner. Si je n'ai pas un boulot cette année, je vais t'abandonner. Tu ne l'aimes pas. Quand on aime sans raison. Je ne l'aime pour rien. Ce n'est pas parce qu'il me bénit, parce qu'il élève mon ministère. J'aimerais vous dire la vérité. Ce n'est pas qu'aujourd'hui je l'aime plus qu'avant, parce que maintenant le ministère est en train de monter. Pas du tout. Je l'aime comme au départ. Parce que ce qu'il fait aujourd'hui n'était pas une condition pour que je l'aime. Quand on aime Dieu, on l'aime sans intérêt. On l'aime pour rien. On l'aime tout court. C'est pourquoi j'aime cette femme qui était au bas de la croix, qui a vu son Seigneur mourir, mais qui après est allée dans son tombeau et qui a dit, où avez-vous mis le corps de mon Seigneur? Jésus ne faisait plus de miracles et de prodiges, mais elle continuait à l'appeler Seigneur. Alors que les apôtres étaient choqués de voir leur Seigneur qui marchait sur l'eau, qui ouvrait les yeux des aveugles, être là, nu sur une croix, sans faire aucun des miracles. Pour eux, il était le Seigneur quand il faisait des miracles. Mais elle, elle était Seigneur même si elle ne faisait, il ne faisait pas des miracles. Tu aimes Dieu quand tout va bien, c'est facile. Tu aimes Dieu quand il te bénit, c'est facile. Tu aimes Dieu quand il te répond, c'est facile. Mais l'aimer lorsqu'il ne donne aucun signe d'attention, ça, c'est vraiment l'aimer. Tu aimes Dieu parce qu'il te donne Isaac, c'est facile. Mais quand il te dit, donne-moi Isaac, et tu l'aimes toujours, là, tu l'aimes. Et je t'assure, s'il est en toi, tu sentirais une chose. Tu l'aimes à un niveau que réellement, rien ne peut te séparer de lui. C'est-à-dire que tu ne réfléchis même pas. On te dit, choisis la mort. Ben, s'il faut mourir, ben, je meurs. Tout le monde va t'abandonner. Ben, abandonnez-moi, je garde mon Jésus. Ah oui, oui, oui. On ne va plus te donner les offrandes comme tu l'aimes beaucoup. Gardez les offrandes. Tu continues la route. Au point où tout devient pâle, tout perd sa valeur. C'est ce que Paul dit, que face à la connaissance de Christ, ce qui était pour lui un gain est devenu de la boue. Est-ce que tu ressens cela? Est-ce que tu ressens ça, que tu es amoureux de lui? C'est pourquoi c'est ce qui aide les gens à tout abandonner. Car si Jésus-Christ vient dans ma vie, il me trouve dans l'ivrognerie, il me trouve dans l'impudicité, et puis il me dit, abandonne ta copine. Oh, elle est trop laide. Je suis Jésus. Mais si tu n'es pas amoureux de Jésus-Christ, ta copine va briller. La bouteille d'alcool va briller. Mais si Christ, tu es amoureux de lui, tu regarderas cette bouteille et tu diras que c'est du poison. Alléluia. J'aimerais terminer. J'en ai parlé le dernier jour à la conférence, le désir ardent de prier. Alléluia. La Bible nous dit que les disciples, après leur conversion, persévéraient dans les prières. Quelqu'un qui a la vie de Christ en lui désire ardemment prier. Quelque chose au fond de toi, l'Esprit de Dieu, te pousse vers lui, à lui parler. Et pas seulement à demander, à communier. Je te pose une question. Quelle est la dernière fois que tu as prié au moins une heure tout seul? Quelle est la dernière fois que tu as prié tout seul au moins une heure? Parce que une heure, c'est le minimum qu'on puisse faire. Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous n'avez pu veiller avec moi une heure. Quelle est la dernière fois que tu as prié au moins une heure seul, où il n'y avait pas l'église, il n'y avait personne autour de toi, et tu étais réellement entré dans sa présence? Lorsqu'on te dit de prier, tu sens que c'est une joie ou tu te sens que c'est une punition? La prière pour toi, c'est une corvée ou c'est un plaisir? Tes heures de prière, tu y veilles comme un rendez-vous avec la personne la plus importante ou bien ce sont des heures de corvée? Qui ont prié avant de venir dans ce culte?
Peu de gens prient avant d'aller à l'église. Ils vont à l'église pour prier. Non, on ne va pas à l'église pour prier. On mène une vie de prière. Il y a des gens, ils ne prient pas à la maison, il ira prier à l'église. Alors si on ferme l'église, si on brûle l'église, si l'église est persécutée, si on ferme toutes les églises, tu vas mourir dans ta maison. On ne va pas à l'église prier, on va à l'église pour continuer à prier. Et j'aimerais vous dire que les hommes de prière prient mieux lorsqu'ils sont seuls. Amen. Hein? Un homme de prière prie très bien quand il est seul. Quand je prie avec mes frères et sœurs, c'est bien, c'est la communion. Mais je prie mieux quand je suis seul. Quand je me retire, c'est là que je lui parle en profondeur. Quelle est ta vie de prière? Combien d'heures tu passes dans sa présence? Oui, tu vas me dire, en Europe, nous sommes busy. Archi faux. Vous dites que vous êtes busy en Europe, mais vous avez le temps de suivre des films. Vous allez au cinéma et vous suivez 2 feuilletons, 4 feuilletons. Vous suivez des choses sur Internet. Mais pourquoi tu peux avoir le temps pour regarder un film, mais tu n'as pas le temps de prier? Vous avez le temps d'aller au restaurant et vous y faites 2 heures du temps, malgré que vous êtes occupé. Tout ce que vous dites là, non, c'est le boulot archi faux. Malgré que vous travaillez, vous allez au restaurant, vous regardez le foot, vous regardez des séries, vous êtes sur Internet. Donc, vous pouvez aussi vous agenouiller, prier. C'est le boulot. Oui, si le boulot commence à 6 heures, tu peux te réveiller à 4 heures du matin. Si tu te réveilles très tôt pour prendre ton métro, pourquoi tu ne te réveilles pas très tôt pour prier? Ah oui, alléluia. Et si tu es capable de cumuler 2 boulots, pourquoi tu ne cumules pas le boulot et la prière? Quelle est ta vie de prière? Celui qui est né de Dieu a un ardent désir de prier. Quand tu dis prions, il dit, ah, c'était ça qu'il fallait. Ah, prions, prions, frère. Au début de ma foi, nous avons un frère qui avait une vie de prière intense, de sorte que lorsqu'il bénissait la nourriture, c'était grave. Il a dit, frère, Abraham va prier pour la nourriture. Ya, ya. 1 heure du temps. Sanctifie les mains. Bénis, Seigneur, que ton sang et ton été fatigué. Et puis un jour, Dieu m'a dit, pourquoi tu n'aimes pas que le frère Abraham prie? Il prie trop longtemps. C'est-à-dire, il t'aime trop. Ce frère, il aime trop Dieu. Arrête de trop aimer Dieu comme ça. Fais-lui des prières speed comme nous, des prières quick, instantanées, comme le café instantané, le lait instantané, des prières instantanées. Oh Dieu de gloire, je te remercie, je te rends grâce pour cette journée. Amen. Seigneur Dieu de gloire, je te bénis pour cette journée, en train de s'habiller. C'est comme ça que tu parles à ta femme? N'est-ce pas qu'elle veut que quand tu lui parles, ce soit yeux dans les yeux? Mais Dieu, oh Seigneur Dieu, est-ce que tu brosses les dents au boulot? Tu brosses bien tes dents à la maison. Tu te peignes bien à la maison. Tu te soignes bien à la maison. Malgré que tu es pressé, il y a des choses que tu fais toujours bien. Mais quand il s'agit de la prière, tu la fais mal parce que tu es pressé. C'est parce qu'il n'est pas le premier en toi. Dernièrement, un homme m'a envoyé sur WhatsApp cette histoire qui m'a vraiment révolutionné. Il a dit ceci, et c'est une image. Un pasteur servit Dieu dans la puissance et dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Et le diable a fait une réunion contre lui pour l'attraper. Il a envoyé premièrement un esprit d'impudicité. Le pasteur a jeûné, il a prié, il a lu la Bible et il a chassé cet esprit. Après, le diable a envoyé un esprit d'avidité. Le pasteur a prié. Il a jeûné, il a chassé l'esprit et il a donné même tous ses biens. Et puis, encore une autre réunion avec les 2 démons. Il les a envoyés à 2. Ils sont arrivés, ils ont étudié son ministère. C'était un homme discipliné, qui jeûnait, qui priait, qui lisait la Bible. Et pendant qu'ils regardaient, vérifiaient, observaient son ministère, ils ont remarqué qu'il y avait un autre démon qui est passé par là, un peu vieillard, et se moquait de lui. Regardez ce vieux démon fatigué. Et puis il pose la question, qui es-tu? Il dit, moi, je suis le démon du temps. Comment? Il dit, vous êtes trop pressé. Vous voulez le faire tomber vite là dans l'impudicité, vite là dans la cupidité, vite là dans l'orgueil. Mais moi, je suis patient. Je ne fais qu'une seule chose dans sa vie.
Je ne le pousse pas vers l'impudicité, ni dans la cupidité, ni dans l'orgueil. Je lui vole seulement ses minutes, ses secondes, le temps qu'il donne à Dieu. Je lui prends ça. Il ne va pas le prendre directement de 3 heures à 3 minutes. Non, il te... 1 heure. Et puis 1 heure. Et puis 30 minutes. Et l'homme qui priait 3 heures commence à prier 20 minutes. Et il leur a dit ceci: laissez-moi travailler. Quand j'aurai fini de lui prendre son temps et qu'il deviendra faible, vous allez l'attaquer. Il n'aura plus assez de force parce qu'il sera détaché et vous l'aurez. C'est ce que l'ennemi fait, surtout dans nos pays développés. Nous voler le temps. Et le même temps qu'il nous vole, il le donne à des occupations, à beaucoup de choses sans valeur. Oui, sans valeur. Car j'ai vu, vous faites aussi beaucoup de choses aussi. Je suis parmi vous maintenant. Vous faites plein de choses. Ce n'est pas que vous êtes tout le temps au boulot. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à donner beaucoup de temps devant vos télévisions, beaucoup de temps au restaurant, beaucoup de temps à faire ceci, cela, plus de temps de prière, plus de temps de méditation. Et l'esprit que tu as vaincu hier revient. Il te trouve sans force. Il te fait tomber. C'est comme une branche. Lorsqu'elle est collée à la tige, elle est forte. Elle est solide. Tu peux même y mettre un balançoire. Mais commence à couper, détacher seulement la branche de la tige. Elle va devenir faible, sèche. Et demain, rien qu'un petit oiseau tombe dessus et la branche tombe. Et on dit, comment lui est tombé? Il n'était plus attaché. Comment va ta spiritualité? Certains ici pensaient être chrétiens, mais vous ne l'étiez pas. Vous devez donner vos vies à Jésus-Christ aujourd'hui parce que vous étiez dans la religion. Mais d'autres, c'était des vrais chrétiens. Vous étiez des vrais chrétiens, mais vous avez perdu votre intimité avec Dieu. Vous êtes déconnecté de Dieu. Vous êtes coupé du sarment, du cep. Vous devez revenir à Dieu. Mais d'autres, je vous encourage. Parce que lorsque je prêchais, il y a une voix qui te disait, pas toi, toi ça va, toi ça va, tu es exceptionnel. Si lorsque j'ai commencé à parler des fruits, et tu as eu tous les fruits que j'ai cités là, tu es exceptionnel. Prends soin de toi, va te mettre dans un coffre-fort, tu es plus qu'un diamant. Alléluia. Prends soin de toi, tu es rare sur la terre. Et je t'assure, tu es un ami de Dieu. Veille sur toi, que tu aies beaucoup ou peu, tu es déjà une exception. Garde cela. Et si tu ne t'es jamais senti riche, j'aimerais te dire, tu es riche. Tu es un homme exceptionnel. Persévère, ne rentre pas en arrière. Garde cette intimité. Tu porteras des fruits au centuple et tu seras une bénédiction pour les extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse. Abondamment. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Et à présent, je vais faire 3 appels. J'invite tout d'abord les hommes et les femmes qui veulent aujourd'hui recevoir la vie de Christ dans leur vie. Recevoir Jésus. Tu t'es rendu compte que tu n'avais pas cette vie. Tu aimes cette vie, mais tu ne l'as pas. Tu veux vivre ce miracle, car c'est vraiment un miracle. Partout où vous êtes, je vous prie de vous approcher. Approchez-vous. Il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il t'invite au travers du voile, là où tout
tout devient parfait. Il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Dieu t'a parlé, ne résiste pas. Un jour, nous aussi, nous avons été percutés par la parole, remis en question par la parole. Tu sens que tu as perdu tes appuis, mais c'est pour ton bien, c'est pour ton salut. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Ne résiste pas, ne dis pas je prendrai une décision à la maison, je prendrai une décision après. Mais maintenant, maintenant, prends une décision. Il veut te sauver, il veut te changer. Tu as forcé, mais tu as besoin seulement que Jésus-Christ entre dans ta vie et tu vivras ce message. Tu témoigneras que tu as porté les fruits. Sa présence est ici. Ô Saint-Esprit, convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Ô Saint-Esprit, convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Prie avec moi présent. Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie. Viens tout influencer en moi. Pardonne mes péchés, ma religiosité. Je demande un miracle de transformation dans mon âme et dans mon esprit. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Remplis-moi. Révèle-moi Jésus-Christ. Dirige-moi. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. J'accepte sa Seigneurie. Son salut par la foi. Seigneur, je prie que cette sémence ne soit pas volée, qu'elle porte du fruit pour ta gloire, Père éternel, et que ces âmes soient gardées en toi. Croissent et grandissent au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je suis sauvé, je suis pardonné, je suis justifié. Merci Jésus-Christ. Amen. Oh, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de dépliants pour eux, l'organisation tout. Ok. Vous pouvez rentrer à vos places, le pasteur vous dira ce que vous allez faire après. Acclamons pour eux, acclamons pour eux, acclamons. Oh, gloire à Dieu. À présent, j'invite ceux qui lisaient la Bible mais qui ne lisent plus la Bible, ceux qui priaient, qui ne prient plus, ceux qui aimaient Dieu mais qui l'aiment plus. Il fut un temps, tu étais vraiment un amoureux de Dieu, mais tu ne l'es plus. Tu es devenu un religieux, quelqu'un qui va à l'église, qui aime les choses de Dieu, mais tu as perdu de la flamme. Je vous invite également, nous allons prier. Approchez-vous. Monte ici, je te ferai voir
des choses cachées. Monte ici, je te ferai voir. Venez, venez, venez. À la fin des temps, le diable veut que les églises soient remplies des rétrogrades. C'est parmi les grandes stratégies de Satan à la fin des temps. Lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse, lorsqu'on parle de cette église d'Asie mineure, vous allez remarquer que Satan cherche à voler le premier amour. Qu'on continue à venir à l'église servir Dieu, mais sans la flamme, la première flamme. C'est ce que Satan veut. Refuse de servir Christ sans l'aimer. Il n'y a pas de christianisme. Il n'y a pas de christianisme sans amour. Ferme tes yeux à présent. Entre en toi-même et souviens-toi comment tu l'avais aimé. Comment tu l'aimais. Il y a un temps, tu l'as beaucoup aimé. Où est parti cet amour? Qu'est-ce qui a volé cet amour? Qui a volé cet amour? Qui a détruit cet amour? Qui t'a ramené en arrière? Qu'est-ce qui est en train de te perturber? Et si tu as trouvé cette chose, répands-toi, abandonne-la et reviens. Prions au nom de Jésus-Christ. Monte ici, je te ferai voir ton avenir. Oh, monte ici, je te ferai voir ton avenir. Oh, yarababasha, yarababasea, je te ferai voir. Oh, monte ici, je te ferai voir ton avenir. Des choses cachées, monte ici, je te ferai voir des choses cachées. Seigneur Jésus, je rentre à la maison. Je veux t'aimer comme avant et plus qu'avant. Pardonne mon refroidissement. Je me suis déconnecté. Je me suis détaché. Je me sens vide sans toi. Viens me restaurer. Rends-moi tout ce que le diable m'a volé. Tout ce que le monde m'a volé. Tout ce que les amis m'ont volé. Allume ma flamme. Réveille mon esprit. Ressuscite-moi. Aujourd'hui, je prends la décision de sortir de la compromission, de toute mondanité. De servir avec un cœur pur. Saint-Esprit, aide-moi. Je n'ai aucune force. Saint-Esprit, aide-moi. Seigneur, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs. Je demande, Père éternel, qu'un miracle. Un réveil.
un réveil se produise dans leurs esprits. Robobobosha. Indelebebebebebeshinda. Rundelebebebebeshia. Soyez réveillés, 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 réveillés. Au nom de Jésus. Sois restauré dans ta vie de prière. Sois restauré, sois restauré, sois restauré, sois restauré, sois restauré, sois restauré au nom de Jésus. Sois restauré, 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 sois restauré. Merci Seigneur. Rentrez à vos places à présent. Je veux prier maintenant également. Oh l'honneur, Shalabasai. Nous sommes debout, je vais prier pour la troisième catégorie de personnes. Seulement le synthé, pas de guitare. Doucement le synthé. Levez les mains. Alléluia. Il y a un puissant mouvement de l'esprit en ce temps de la fin en Europe. J'ai eu une vision il y a, je crois, une année. J'ai vu un des grands monuments de Bruxelles qui remplissait toute la terre. Et Dieu m'avait dit que de Bruxelles partira un grand feu pour l'évangélisation mondiale. Et je vous assure, mon premier voyage en Europe, c'était à Bruxelles. Et j'avais prié avec un petit groupe de gens, de 10 personnes, je crois, dans un salon. Et on a prié pour tout ce qui est en train d'arriver maintenant. Et au milieu de vous, il y a des serviteurs et des servants de Dieu. Il y a des revivalistes. Il y a des instruments puissants que Dieu réserve et a réservé pour ce temps. Je suis venu aujourd'hui aussi pour te rendre conscient de ce dépôt que Dieu a déposé en toi, de cet appel qu'il t'a fait et de la vie que tu dois mener, une vie consacrée. Lève les mains, dis avec moi, Seigneur, me voici, oins-moi, 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 pour la moisson finale, pour la moisson finale, pour la moisson finale, pour gagner les âmes, pour prêcher l'évangile, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Recevez la puissance. Amenez ces personnes. Là où tu es, que la puissance de Dieu te cherche et te trouve. Reçois, 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 reçois. Fire! Robobo Shire!
Alléluia, 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 Alléluia. Lorsque Dieu t'envoie, lorsque Dieu t'envoie pour prêcher sa parole, il te revêt toujours de puissance afin que tu chasses les démons et que tu guérisses les malades. Père, touche, Père, touche, Père, touche, Père, touche, Père, touche, 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 Père, touche, Père, touche, touche, Père, touche, Père, touche, Père, touche, Père, touche, Père, touche, au nom de Jésus. Recevez les dons spirituels, 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 recevez, recevez, recevez les dons spirituels, recevez. Yeah.
Voici encore un fruit qui manifeste la présence de Christ dans une personne. C'est que le surnaturel devient ta vie. Et tu n'as pas peur du surnaturel. Tu chasses les démons. Tu guéris les malades. Tu entends la voix du Saint-Esprit. Tu parles au Saint-Esprit. Ça, c'est un fruit aussi de la vie de Christ en toi. Je prie que Dieu communique ce matin le don de guérison. Le don de guérison, 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 le don de guérison. Le don de guérison, yeah. Le don de guérison, yeah. Le don de guérison, yes. Le don de guérison, yes. Le don de guérison, yes. Le don de guérison. Amenez le frère. Oh my God. Seigneur Jésus, je prie pour ce frère de tout mon cœur. Je demande que tu changes sa vie. Oh Jésus, change sa vie. Change sa vie. Par ta parole, ta puissance, ton esprit, que ce jour marque un grand tournant de sa vie, qu'il ne soit jamais plus le même, qu'il ne soit jamais plus le même, qu'il ne soit jamais plus le même. Je te le demande de tout mon cœur, Seigneur, que ce jour soit gravé dans l'histoire de sa vie, plus jamais le même. Plus jamais le même, plus jamais le même. Oh, merci Seigneur. Le don de prophétie. 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 Et abashara babashia. Et abashara babashia. Et abashara babashia. Le don de prophétie. Recevez 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 le don de prophétie. Je te rends grâce pour tout ce que tu as fait. Pour tout ce que tu as fait. Je prie, Seigneur, que tu guérisses tous ceux qui sont malades ce matin. Quel que soit le nom de ta maladie, je commande à cette maladie de te quitter maintenant. 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 Maladie, sors au nom de Jésus. Reçois la guérison.
Oh yes. Oh yes. Oh yes. Seigneur Jésus, je te remercie pour les malades que tu guéris. Je te remercie pour les captifs que tu délivres. Je te remercie pour les âmes qui ont été sauvées. Je te remercie pour les rétrogrades qui ont été restaurés. Je te remercie pour les gagneurs d'âmes qui ont été envoyés, revêtus. Je te remercie pour ta bénédiction ce dimanche au milieu de nous. Père, que l'honneur, la gloire, la force, la puissance te reviennent. Que toute la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne. Bénis cette église qui nous a reçus. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Clap your hand for Jesus. Dans cet esprit, de révérence devant Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es celui qui restaure. Tu es celui qui guérit, tu es celui qui relève, Jésus. Tu es celui qui restaure, nous t'adorons. Tu es celui qui guérit, tu es celui qui relève, Jésus. Tu es celui qui restaure nos âmes. Tu es celui qui guérit nos corps. Tu es celui qui restaure, Jésus. Tu es celui qui restaure. Tu es bon. Tu es celui qui guérit, Seigneur. Tu es celui qui relève. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci pour ton serviteur. Merci pour la parole que tu as mise dans son cœur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta parole, Seigneur. Et merci pour ta puissance qui délivre, qui restaure et qui libère. Seigneur, nous te bénissons. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons combien de fois tu faisais du bien, tu as fait du bien à ceux qui te rencontraient. Et ce matin encore, tu nous fais du bien. Seigneur, nous te rendons grâce. Reçois favorablement l'expression de notre gratitude. L'expression de notre reconnaissance pour ta présence, pour ta merveilleuse parole et pour ta puissance qui délivre. Merci Seigneur.
pouvons-nous acclamer le Seigneur très 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 fort? Alors, y a-t-il quelqu'un pour acclamer le Seigneur? Alléluia! Merci Seigneur. Merci pour les cascades de témoignages que nous aurons. Merci pour les témoignages de libération, pour les témoignages de guérison, Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Ah, que quelqu'un me donne un bon Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Qui est dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie, peux-tu acclamer le Seigneur encore une fois? Et je vous invite à prendre place. Je vous invite à prendre place. Merci Seigneur. Merci Père. C'est un culte particulier. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a un culte particulier, il y a des horaires particuliers aussi. Que quelqu'un dise Amen à ça. Et nous sommes flexibles. Amen. Alléluia. Alors, j'aimerais juste dire un mot pour toutes les personnes qui tout à l'heure se sont levées et sont venues devant par rapport au premier appel que le pasteur Marcelo a fait. Toutes les personnes qui sont venues devant et qui ont reçu, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une joie. Que quelqu'un dise Amen à ça, c'est une joie. Et la Bible dit qu'il y a une fête dans le ciel. Et ce que vous avez expérimenté, la prière que vous avez faite, ce n'est pas une prière anodine, c'est une prière qui va changer complètement votre vie. C'est ce que Jésus appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Votre corps n'a pas changé, mais l'homme intérieur a été renouvelé. Il est né de nouveau. Et la Bible dit que vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous êtes devenus des enfants, mais des bébés, parce que vous venez juste de naître. Amen. Et de la même manière que physiquement, si on laisse un enfant qui vient de naître, on le laisse devant la maternité, sans personne pour en prendre soin, la durée de vie de l'enfant, ce sera que de quelques heures, peut-être de quelques jours. Si c'est vrai, dis-moi Amen. Et de la même manière, vous êtes né de nouveau et vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Parce que sinon, vous ne pourrez pas expérimenter le bénéfice de cette nouvelle naissance. Et c'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, toutes celles et ceux qui sont venus tout à l'heure, qui ont répondu à cet appel, vous êtes priés, s'il vous plaît, pour vous-même, de nous rejoindre à la fin du culte. Il faudra rejoindre le frère Collins qui est ici. Collins, peux-tu, voilà, lever la main, il est là. Il va vous attendre ici donc à ma gauche, et nous prendrons juste 10 minutes pour vous expliquer ce qui s'est passé lorsque vous avez fait la prière du salut, et pour vous expliquer comment l'église Impact Centre Chrétien se propose de vous accompagner dans cette vie avec Christ. Amen. Donc s'il vous plaît, ne partez pas tout de suite, mais accordez-nous la grâce de pouvoir vous entretenir 10 minutes. On aura également des choses à vous remettre qui vont vous aider à faire vos premiers pas avec Christ. Amen. Que quelqu'un dise Amen à ça. Alléluia. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Alors, ce que nous voulons faire avant de prier pour la fin, il y a plusieurs choses que nous allons faire. Et la première chose que nous allons faire, c'est que...